À l'ouest de Paris, à la lisière de la ville, le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, construit par Franck Guéry entre 2006 et 2014. À l'orée du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation, créé en 1860. Un jardin à l'anglaise, avec une serre pour les plantes, un zoo, des manèges et des attractions. C'est sur ce site, une concession de la ville de Paris dont le groupe LVMH est titulaire, que la Fondation Louis Vuitton décide de construire en 2006 un nouveau bâtiment. Il sera l'emblème de sa politique de mécénat et de soutien à la création artistique. Ce sera un nouveau lieu pour Paris, dédié à la création contemporaine. Pour relever tous ces défis, Bernard Arnault choisit Franck Guéry. L'architecte a obtenu le Pritzker Prize en 1989. Il est célèbre pour le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Franck Guéry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris. Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement. Les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Le bâtiment n'est pas figé comme le Grand Palais. C'est une nouvelle manière d'exprimer le verre, l'ouverture, la sensation du mouvement et de pousser les visiteurs vers de nouvelles expériences. Construire dans le bois de Boulogne est interdit. Une seule solution, faire disparaître le bowling du jardin d'acclimatation et le remplacer par un nouveau bâtiment. L'édifice devra s'inscrire dans la même parcelle de 1 hectare et respecter les gabarits des bâtiments détruits. Même surface d'emprise au sol et pas plus de 1 étage. Une seule liberté, c'est une construction nouvelle, sa hauteur n'est pas limitée. Désireux d'élever le bâtiment le plus haut possible et de respecter les règlements, Franck Guéry va jouer sur la hauteur des volumes intérieurs. Le rez-de-chaussée fait 9 mètres de haut.
Une zone technique le sépare d'un premier étage de 6 mètres de haut, surmonté des volumes des puits de lumière, 9 mètres de plus. Il entoure de tous les côtés l'édifice avec de grandes verrières qui doublent son volume apparent et culminent à 46 mètres. Pour gagner plus de mètres carrés d'exposition, l'architecte dépose le bâtiment de la fondation 7 mètres en dessous du niveau du sol, au fond d'une cuve. Mais il n'est pas enterré. On peut en faire le tour à la lumière du jour. Il est entouré d'eau, des bassins d'un côté, une cascade en pente douce de l'autre. L'apparence extérieure surprend. Mais dès qu'on entre, tout est simple. On est dans un vaste hall d'accueil qui d'un côté mène vers les galeries et de l'autre à l'auditorium. La grande salle est face à la cascade. De grands rideaux permettent de l'occulter. Elle est modulable avec ses fauteuils qui se déploient en hauteur ou se cachent dans le sol. Tout le reste du bâtiment est occupé par les galeries d'exposition et les circulations. Le hall, l'auditorium qui occupe deux niveaux, au-dessus une salle, les autres, grandes et petites, occupent trois niveaux de l'autre côté du hall d'accueil. Les salles du niveau supérieur sont coiffées de puits de lumière qui augmentent leur hauteur. 11 galeries, 6 de grande taille, des parallélépipèdes et 5 petites au dessin plus surprenant. Des volumes de grande hauteur entre 5 et 10 mètres de haut. Des murs qui ne raccordent ni avec le sol ni avec le plafond et qui semblent flotter. La promenade intérieure enchaîne paliers et escaliers et se continue à l'extérieur sur des terrasses offertes au paysage et protégées par des verrières. Pour concevoir ces bâtiments, Franck Guéry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire, ces différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair, jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie. Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Guéry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique, une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire. Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a les formes sculpturales des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg, la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur, pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses.
une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillé, ce qu'on appelle un radier. Il compense les remontées d'eau de la nappe phréatique, il stabilise les portes à faux et les charges hétérogènes du bâtiment lui-même. Il anticipe les déséquilibres créés par la tension des verrières soumises au vent. Le bâtiment est asymétrique. Du côté de la cascade, une tour avec un étage et des planchers en déport. Au centre, un grand cube de béton qui repose en équilibre au-dessus du futur hall d'accueil. De l'autre côté, des volumes en longueur superposés sur trois niveaux. Pas d'alignement régulier de piliers de béton. Chaque partie du bâtiment semble jouir d'une structure porteuse singulière. De grands poteaux d'acier inclinés selon des angles et des longueurs différents font penser à des béquilles provisoires. Entre la structure de béton et les volumes blancs de l'iceberg, les architectes ont imaginé une structure autonome, une charpente métallique qui soutient 360 plaques dont les inclinaisons et les courbures reproduisent les volumes dessinés par Frank Gehry. Les plaques d'acier sont juxtaposées, boulonnées les unes aux autres, comme une coque de navire. Reste à poser le revêtement définitif, la peau de l'iceberg. Le client voulait un revêtement lisse, taillé comme un vêtement, de l'aluminium émaillé. L'architecte rêvait de Ronchamp, l'église construite par Le Corbusier. Il voulait un vrai matériau de construction, de préférence du béton projeté. Après un long débat, ils choisissent une autre solution. Décomposer les grandes surfaces de l'iceberg en milliers de panneaux de taille réduite. Une manière de s'adapter à ces volumes aux formes organiques et de limiter l'effet de grandes surfaces aveugles. Les panneaux seront en béton fibreux, blanc, brillant, le ductal. Ils seront moulés un par un en usine. Ils sont tous différents par leur courbure, leur longueur, leur découpe. Pour les poser, on recouvre la coque d'acier d'une deuxième peau, une coque d'aluminium, qui épouse ses formes et aligne des rangées de fixation. Le ductal est accroché panneau par panneau, 19 000 en tout, un puzzle géant en 3D. Deux hommes doivent pouvoir accrocher ou décrocher chaque panneau. D'un bout à l'autre du bâtiment, les mêmes règles. Deux panneaux placés l'un au-dessus de l'autre sont séparés de 10 mm. Deux panneaux voisins sont séparés de 7 mm. Les lignes créées par l'ombre font lire les courbures et les formes. Pour amplifier le mouvement de ces alignements de panneaux blancs, Frank Gehry décale les lignes à chaque niveau, créant ce qu'il appelle un motif en tremblement de terre. Dans les anfractuosités des volumes blancs de l'iceberg, des volumes de charpente métallique et de verre transparent. Pas de courbes, mais des obliques et des angles aigus. Une deuxième grammaire formelle pour faire entrer la lumière du jour dans un bâtiment sans fenêtre. Le grand paysage du bâtiment alterne les formes sculpturales blanches et les volumes en angles aigus de verre. Conséquence directe, à l'intérieur, les paliers et les escaliers sont baignés de lumière. Au cours de sa déambulation, le visiteur alterne lumière et pénombre, les jeux de soleil et la visite de chaque galerie.
L'architecture moderne aime les espaces ouverts, trop ouverts pour les conservateurs de musées. Ils veulent tout fermer et contrôler la lumière. Dans un sens, c'est raisonnable. Mais ce qui manque dans ce raisonnement, c'est l'expérience du visiteur, de celui qui regarde. Bien sûr, les œuvres d'art doivent être là, bien visibles et éclairées, mais est-ce suffisant? Il y a quelqu'un là qui regarde, et ses sensations sont importantes. Donc mon idée, c'était de laisser entrer la lumière en douceur, pas de soleil en direct. C'était qu'il y ait un peu de lumière pour qu'on se sente mieux. Je voulais que, face aux œuvres, ce qu'éprouvent les visiteurs soit plus agréable. Je voulais qu'ils aient envie de rester, qu'ils aient du plaisir à rester assis en regardant une ou deux peintures. C'est agréable, enrichissant, et on voit mieux les peintures. La lumière du jour pénètre dans les salles du premier étage. Jamais de façon directe, mais par des puits de lumière où vient se réfléchir le soleil. Des volumes de plâtre, galbés, inclinés, sculptés, des carrés de 3 à 7 mètres de côté qui s'élèvent à la verticale au-dessus des salles. Le plus haut dépasse de 11 mètres une salle dont les murs ont déjà 9 mètres de haut. Au niveau des terrasses, les 5 puits de lumière créent un paysage étonnant de volumes blancs dressés vers le ciel, ni des tours, ni des cheminées. Comme un vêtement trop grand, la coque de l'iceberg entoure le volume de plâtre du puits de lumière, mais crée un entre-deux, une zone tampon dédiée aux équipements techniques, interdite aux visiteurs, les coulisses du bâtiment. Quand on fait le tour du bâtiment, on ne peut que deviner l'iceberg. Le verre laiteux atténue la perception des charpentes et du bâti. Une dernière peau de verre joue l'effet d'un filtre. Le verre des grandes voiles est translucide, sérigraphié de pastilles blanches qui réfléchissent 50% de l'énergie lumineuse. Une belle économie d'énergie pour la protection du bâtiment. Habillé de ses verrières, le bâtiment de la fondation absorbe par ses reflets le paysage. Le volume monumental devenu vaporeux s'insère en douceur dans la nature qui l'entoure. Les verrières aux surfaces incurvées dialoguent avec les volumes de l'iceberg. Ils se recouvrent, s'écartent et se chevauchent. Un même vocabulaire de formes organiques et sculpturales. Chaque verrière est unique. Parfois des surfaces incurvées, parfois des volumes, il y en a 12. La même surface de verre que la verrière du Grand Palais, 13 600 mètres carrés, mais fragmentée en 12 voiles gonflées d'un vent imaginaire. Un vaisseau de verre.
Les concepteurs ont calculé tous les efforts possibles auxquels sont soumises les grandes verrières, la pression du vent le plus puissant, le poids de la pluie et de la neige, les effets d'un incendie toujours possible et l'action de gaz chaud, sans oublier la dilatation sous l'effet de la chaleur du soleil. Quand les bourrasques approchent 150 km/h, la prise au vent est bien réelle. La verrière doit bouger. Les ingénieurs ont conçu ces étranges fixations qui autorisent chaque panneau de verre à changer de position. Des billes d'acier prises dans une rainure ou des axes libres pris dans une encoche de métal. Au plus fort de la tempête, une des voiles peut bouger de 15 cm. Les grandes verrières sont solidement accrochées à la coque d'acier recouverte de ductal par de larges platines généreusement boulonnées. Les poutres principales soutiennent les poutres de métal plus fines. Celles-ci supportent les grandes courbes de bois qui dessinent la forme de chaque voile. Pour réaliser ces grandes surfaces courbes de verre, les entreprises ont là encore adopté la technique du puzzle et décomposer les surfaces vitrées en 3600 panneaux tous différents. Les capots d'aluminium soulignent le mouvement des grandes voiles. Les poutres partent dans toutes les directions. Lire la structure porteuse est impossible. Pour des raisons de sécurité, il y a plus de poutres que nécessaire. Si l'une venait à céder, il faut éviter la chute de la verrière. Ce n'est pas l'unique raison de la générosité de la charpente. Franck Guéry a refusé toute répétition structurelle et insisté pour que l'on ne puisse pas comprendre comment ça tient. Si vous regardez un monument historique, la cathédrale de Chartres, par exemple, et son entrée principale, il y a la pierre et de la sculpture, beaucoup de sculptures. Et c'est très rare dans l'architecture contemporaine. Ici, la sculpture fait partie du monument. Et donc, grâce au verre, on a pu construire plus haut, rendre le bâtiment plus aérien, plus sculptural, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela a permis de créer des séquences spatiales dédiées aux circulations. La verrière crée un espace hybride, un dedans, dehors. On est dans la continuité des salles et des paliers intérieurs, dans le bâtiment, protégé des intempéries. On est dehors, à l'air libre et dans le vent. L'architecture devenue sculpture crée en permanence son propre spectacle. L'effet est multiplié par le jeu des ombres de la charpente sur les volumes blancs. Au programme de la Fondation, Franck Guéry a ajouté les plaisirs de la promenade. Le bâtiment organise sa propre visite, une visite pour jouir du paysage et surtout de l'architecture. Étonnant bâtiment où l'ajustement précis de pièces uniques de verre et de ductal rapproche le processus industriel du geste de l'artisan. Un voisinage avec l'industrie du luxe, dont le bâtiment de la Fondation est le dernier fleuron.
la lumière du jour pénètre dans les salles du premier étage. Jamais de façon directe, mais par des puits de lumière où vient se réfléchir le soleil. Des volumes de plâtre, galbés, inclinés, sculptés, des carrés de 3 à 7 mètres de côté qui s'élèvent à la verticale au-dessus des salles. Le plus haut dépasse de 11 mètres une salle dont les murs ont déjà 9 mètres de haut. Au niveau des terrasses, les 5 puits de lumière créent un paysage étonnant de volumes blancs dressés vers le ciel, ni des tours, ni des cheminées. Comme un vêtement trop grand, la coque de l'iceberg entoure le volume de plâtre du puits de lumière, mais crée un entre-deux, une zone tampon dédiée aux équipements techniques, interdite aux visiteurs, les coulisses du bâtiment. Quand on fait le tour du bâtiment, on ne peut que deviner l'iceberg. Le verre laiteux atténue la perception des charpentes et du bâti. Une dernière peau de verre joue l'effet d'un filtre. Le verre des grandes voiles est translucide, sérigraphié de pastilles blanches qui réfléchissent 50% de l'énergie lumineuse. Une belle économie d'énergie pour la protection du bâtiment. Habillé de ses verrières, le bâtiment de la fondation absorbe par ses reflets le paysage. Le volume monumental devenu vaporeux s'insère en douceur dans la nature qui l'entoure. Les verrières aux surfaces incurvées dialoguent avec les volumes de l'iceberg. Ils se recouvrent, s'écartent et se chevauchent. Un même vocabulaire de formes organiques et sculpturales. Chaque verrière est unique. Parfois des surfaces incurvées, parfois des volumes, il y en a 12. La même surface de verre que la verrière du Grand Palais, 13 600 mètres carrés, mais fragmentée en 12 voiles gonflées d'un vent imaginaire. Un vaisseau de verre. Les concepteurs ont calculé tous les efforts possibles auxquels sont soumises les grandes verrières, la pression du vent le plus puissant, le poids de la pluie et de la neige, les effets d'un incendie toujours possible et l'action de gaz chaud, sans oublier la dilatation sous l'effet de la chaleur du soleil. Quand les bourrasques approchent 150 km/h, la prise au vent est bien réelle, la verrière doit bouger. Les ingénieurs ont conçu ces étranges fixations qui autorisent chaque panneau de verre à changer de position. Des billes d'acier prises dans une rainure ou des axes libres pris dans une encoche de métal. Au plus fort de la tempête, une des voiles peut bouger de 15 cm. Les grandes verrières sont solidement accrochées à la coque. À l'ouest de Paris, à la lisière de la ville,
le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, construit par Frank Gehry entre 2006 et 2014. À l'orée du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation, créé en 1860. Un jardin à l'anglaise, avec une serre pour les plantes, un zoo, des manèges et des attractions. C'est sur ce site, une concession de la ville de Paris dont le groupe LVMH est titulaire, que la Fondation Louis Vuitton décide de construire en 2006 un nouveau bâtiment. Il sera l'emblème de sa politique de mécénat et de soutien à la création artistique. Ce sera un nouveau lieu pour Paris, dédié à la création contemporaine. Pour relever tous ces défis, Bernard Arnault choisit Frank Gehry. L'architecte a obtenu le Pritzker Prize en 1989. Il est célèbre pour le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Frank Gehry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris. Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement. Les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Pour concevoir ces bâtiments, Frank Gehry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire. Ces différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie. Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Gehry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique, une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire.
Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a des formes sculpturales, des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg, la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur. Pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses. Une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillé, ce qu'on appelle un radier. Il compense les remontées d'eau de la nappe phréatique, il stabilise les portes à faux et les charges hétérogènes du bâtiment lui-même. Il anticipe les déséquilibres créés par la tension des verrières soumises au vent. Le bâtiment est asymétrique. Du côté de la cascade, une tour avec un étage et des planchers en déport. Au centre, un grand cube de béton qui repose en équilibre au-dessus du futur hall d'accueil. De l'autre côté, des volumes en longueur superposés sur trois niveaux. Pas d'alignement régulier de piliers de béton. Chaque partie du bâtiment semble jouir d'une structure porteuse singulière. De grands poteaux d'acier inclinés selon des angles et des longueurs différents font penser à des béquilles provisoires. Entre la structure de béton et les volumes blancs de l'iceberg, les architectes ont imaginé une structure autonome, une charpente métallique qui soutient 360 plaques dont les inclinaisons et les courbures reproduisent les volumes dessinés par Frank Gehry. Les plaques d'acier sont juxtaposées, boulonnées les unes aux autres, comme une coque de navire. Reste à poser le revêtement définitif, la peau de l'iceberg. Le client voulait un revêtement lisse, taillé comme un vêtement, de l'aluminium émaillé. L'architecte rêvait de Ronchamp, l'église construite par Le Corbusier. Il voulait un vrai matériau de construction, de préférence du béton projeté. Après un long débat, ils choisissent une autre solution. Décomposer les grandes surfaces de l'iceberg en milliers de panneaux de taille réduite. Une manière de s'adapter à ces volumes aux formes organiques et de limiter l'effet de grandes surfaces aveugles. Les panneaux seront en béton figé. Le bâtiment n'est pas figé comme le Grand Palais. C'est une nouvelle manière d'exprimer le verre, l'ouverture, la sensation du mouvement et de pousser les visiteurs vers de nouvelles expériences. Construire dans le bois de Boulogne est interdit. Une seule solution, faire disparaître le bowling du jardin d'acclimatation et le remplacer par un nouveau bâtiment. L'édifice devra s'inscrire dans la même parcelle de 1 hectare et respecter les gabarits des bâtiments détruits. Même surface d'emprise au sol et pas plus de 1 étage. Une seule liberté, c'est une construction nouvelle, sa hauteur n'est pas limitée. Désireux d'élever le bâtiment le plus haut possible et de respecter les règlements, Frank Gehry va jouer sur la hauteur des volumes intérieurs. Le rez-de-chaussée fait 9 mètres de haut. Une zone technique le sépare d'un premier étage de 6 mètres de haut, surmonté des volumes des puits de lumière, 9 mètres de plus. Il entoure de tous les côtés l'édifice avec de grandes verrières qui doublent son volume apparent et culminent à 46 mètres. Pour gagner plus de mètres carrés d'exposition, l'architecte dépose le bâtiment de la fondation 7 mètres en dessous du niveau du sol, au fond d'une cuve.
Mais il n'est pas enterré. On peut en faire le tour à la lumière du jour. Il est entouré d'eau, des bassins d'un côté, une cascade en pente douce de l'autre. L'apparence extérieure surprend. Mais dès qu'on entre, tout est simple. On est dans un vaste hall d'accueil qui d'un côté mène vers les galeries et de l'autre à l'auditorium. La grande salle est face à la cascade. De grands rideaux permettent de l'occulter. Elle est modulable, avec ses fauteuils qui se déploient en hauteur ou se cachent dans le sol. Tout le reste du bâtiment est occupé par les galeries d'exposition et les circulations. Le hall, l'auditorium qui occupe deux niveaux, au-dessus une salle, les autres, grandes et petites, occupent trois niveaux de l'autre côté du hall d'accueil. Les salles du niveau supérieur sont coiffées de puits de lumière qui augmentent leur hauteur. 11 galeries, 6 de grande taille, des parallélépipèdes et 5 petites au dessin plus surprenant. Des volumes de grande hauteur, entre 5 et 10 mètres de haut. Des murs qui ne raccordent ni avec le sol ni avec le plafond et qui semblent flotter. La promenade intérieure enchaîne paliers et escaliers et se continue à l'extérieur sur des terrasses offertes au paysage et protégées par des verrières. Fibreux, blanc, brillant, le ductal. Ils seront moulés un par un en usine. Ils sont tous différents par leur courbure, leur longueur, leur découpe. Pour les poser, on recouvre la coque d'acier d'une deuxième peau, une coque d'aluminium, qui épouse ses formes et aligne des rangées de fixation. Le ductal est accroché panneau par panneau, 19 000 en tout, un puzzle géant en 3D. Deux hommes doivent pouvoir accrocher ou décrocher chaque panneau. D'un bout à l'autre du bâtiment, les mêmes règles. Deux panneaux placés l'un au-dessus de l'autre sont séparés de 10 mm. Deux panneaux voisins sont séparés de 7 mm. Les lignes créées par l'ombre font lire les courbures et les formes. Pour amplifier le mouvement de ces alignements de panneaux blancs, Frank Gehry décale les lignes à chaque niveau, créant ce qu'il appelle un motif en tremblement de terre. Dans les anfractuosités des volumes blancs de l'iceberg, des volumes de charpente métallique et de verre transparent. Pas de courbes, mais des obliques et des angles aigus. Une deuxième grammaire formelle pour faire entrer la lumière du jour dans un bâtiment sans fenêtre. Le grand paysage du bâtiment alterne les formes sculpturales blanches et les volumes en angles aigus de verre. Conséquence directe, à l'intérieur, les paliers et les escaliers sont baignés de lumière. Au cours de sa déambulation, le visiteur alterne lumière et pénombre, les jeux de soleil et la visite de chaque galerie.
L'architecture moderne aime les espaces ouverts, trop ouverts pour les conservateurs de musées. Ils veulent tout fermer et contrôler la lumière. Dans un sens, c'est raisonnable. Mais ce qui manque dans ce raisonnement, c'est l'expérience du visiteur, de celui qui regarde. Bien sûr, les œuvres d'art doivent être là, bien visibles et éclairées, mais est-ce suffisant? Il y a quelqu'un là qui regarde, et ses sensations sont importantes. Donc mon idée, c'était de laisser entrer la lumière en douceur, pas de soleil en direct. C'était qu'il y ait un peu de lumière pour qu'on se sente mieux. Je voulais que, face aux œuvres, ce qu'éprouvent les visiteurs soit plus agréable. Je voulais qu'ils aient envie de rester, qu'ils aient du plaisir à rester assis en regardant une ou deux peintures. C'est agréable, enrichissant, et on voit mieux les peintures. À l'ouest de Paris, à la lisière de la ville, le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, construit par Franck Gehry entre 2006 et 2014. À l'orée du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation, créé en 1860. Un jardin à l'anglaise, avec une serre pour les plantes, un zoo, des manèges et des attractions. C'est sur ce site, une concession de la ville de Paris dont le groupe LVMH est titulaire, que la Fondation Louis Vuitton décide de construire en 2006 un nouveau bâtiment. Il sera l'emblème de sa politique de mécénat et de soutien à la création artistique. Ce sera un nouveau lieu pour Paris, dédié à la création contemporaine. Pour relever tous ces défis, Bernard Arnault choisit Franck Gehry. L'architecte a obtenu le Pritzker Prize en 1989. Il est célèbre pour le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Franck Gehry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris. Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement.
les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Le bâtiment n'est pas figé comme le Grand Palais. C'est une nouvelle manière d'exprimer le verre, l'ouverture, la sensation du mouvement et de pousser les visiteurs vers de nouvelles expériences. Construire dans le bois de Boulogne est interdit. Une seule solution, faire disparaître le bowling du jardin d'acclimatation et le remplacer par un nouveau bâtiment. L'édifice devra s'inscrire dans la même parcelle de 1 hectare et respecter les gabarits des bâtiments détruits. Même surface d'emprise au sol et pas plus de 1 étage. Une seule liberté, c'est une construction nouvelle, sa hauteur n'est pas limitée. Désireux d'élever le bâtiment le plus haut possible et de respecter les règlements, Franck Guéry va jouer sur la hauteur des volumes intérieurs. Le rez-de-chaussée fait 9 mètres de haut. Une zone technique le sépare d'un premier étage de 6 mètres de haut, surmonté des volumes des puits de lumière, 9 mètres de plus. Il entoure de tous les côtés l'édifice avec de grandes verrières qui doublent son volume apparent et culminent à 46 mètres. Pour gagner plus de mètres carrés d'exposition, l'architecte dépose le bâtiment de la fondation 7 mètres en dessous du niveau du sol, au fond d'une cuve. Mais il n'est pas enterré. On peut en faire le tour à la lumière du jour. Il est entouré d'eau, des bassins d'un côté, une cascade en pente douce de l'autre. L'apparence extérieure surprend. Mais dès qu'on entre, tout est simple. On est dans un vaste hall d'accueil qui d'un côté mène vers les galeries et de l'autre à l'auditorium. La grande salle est face à la cascade. De grands rideaux permettent de l'occulter. Elle est modulable avec ses fauteuils qui se déploient en hauteur ou se cachent dans le sol. Tout le reste du bâtiment est occupé par les galeries d'exposition et les circulations. Le hall, l'auditorium qui occupe 2 niveaux, au-dessus une salle, les autres, grandes et petites, occupent 3 niveaux de l'autre côté du hall d'accueil. Les salles du niveau supérieur sont coiffées de puits de lumière qui augmentent leur hauteur. 11 galeries, 6... L'architecture moderne aime les espaces ouverts, trop ouverts pour les conservateurs de musées. Ils veulent tout fermer et contrôler la lumière. Dans un sens, c'est raisonnable. Mais ce qui manque dans ce raisonnement, c'est l'expérience du visiteur.
de celui qui regarde. Bien sûr, les œuvres d'art doivent être là, bien visibles et éclairées, mais est-ce suffisant? Il y a quelqu'un là qui regarde, et ses sensations sont importantes. Donc mon idée, c'était de laisser entrer la lumière en douceur, pas de soleil en direct. C'était qu'il y ait un peu de lumière pour qu'on se sente mieux. Je voulais que, face aux œuvres, ce qu'éprouvent les visiteurs soit plus agréable. Je voulais qu'ils aient envie de rester, qu'ils aient du plaisir à rester assis en regardant une ou deux peintures. C'est agréable, enrichissant, et on voit mieux les peintures. La lumière du jour pénètre dans les salles du premier étage. Jamais de façon directe, mais par des puits de lumière où vient se réfléchir le soleil. Des volumes de plâtre, galbés, inclinés, sculptés, des carrés de 3 à 7 mètres de côté qui s'élèvent à la verticale au-dessus des salles. Le plus haut dépasse de 11 mètres une salle dont les murs ont déjà 9 mètres de haut. Au niveau des terrasses, les 5 puits de lumière créent un paysage étonnant de volumes blancs dressés vers le ciel, ni des tours, ni des cheminées. Comme un vêtement trop grand, la coque de l'iceberg entoure le volume de plâtre du puits de lumière, mais crée un entre-deux, une zone tampon dédiée aux équipements techniques, interdite aux visiteurs, les coulisses du bâtiment. Quand on fait le tour du bâtiment, on ne peut que deviner l'iceberg. Le verre laiteux atténue la perception des charpentes et du bâti. Une dernière peau de verre joue l'effet d'un filtre. Le verre des grandes voiles est translucide, sérigraphié de pastilles blanches qui réfléchissent 50% de l'énergie lumineuse. Une belle économie d'énergie pour la protection du bâtiment. Habillé de ses verrières, le bâtiment de la fondation absorbe par ses reflets le paysage. Le volume monumental devenu vaporeux s'insère en douceur dans la nature qui l'entoure. Les verrières aux surfaces incurvées dialoguent avec les volumes de l'iceberg. Ils se recouvrent, s'écartent et se chevauchent. Un même vocabulaire de formes organiques et sculpturales. Chaque verrière est unique. Parfois des surfaces incurvées, parfois des volumes. Il y en a 12. La même surface de verre que la verrière du Grand Palais, 13 600 mètres carrés, mais fragmentée en 12 voiles gonflées d'un vent imaginaire. Un vaisseau de verre. Les concepteurs ont calculé tous les efforts possibles auxquels sont soumises les grandes verrières, la pression du vent le plus puissant, le poids de la pluie et de la neige, les effets d'un incendie toujours possible et l'action de gaz chaud, sans oublier la dilatation sous l'effet de la chaleur du soleil. Quand les bourrasques approchent 150 km/h,
La prise au vent est bien réelle. La verrière doit bouger. Les ingénieurs ont conçu ces étranges fixations qui autorisent chaque panneau de verre à changer de position. Des billes d'acier prises dans une rainure ou des axes libres pris dans une encoche de métal. Au plus fort de la tempête, une des voiles peut bouger de 15 cm. Les grandes verrières sont solidement accrochées à la coque d'acier recouverte de ductal par de larges platines généreusement boulonnées. Les poutres principales soutiennent les poutres de métal plus fines. Celles-ci supportent les grandes courbes de bois qui dessinent la forme de chaque voile. Pour réaliser ces grandes surfaces courbes de verre, les entreprises ont là encore adopté la technique du puzzle et décomposé les surfaces vitrées en 3600 panneaux tous différents. Les capots d'aluminium soulignent le mouvement des grandes voiles. Les poutres partent dans toutes les directions. Lire la structure porteuse est impossible. Pour des raisons de sécurité, il y a plus de poutres que nécessaire. Si l'une venait à céder, il faut éviter la chute de la verrière. Ce n'est pas l'unique raison de la générosité de la charpente. Frank Gehry a refusé toute répétition structurelle et insisté pour que l'on ne puisse pas comprendre comment ça tient. Si vous regardez un monument historique, la cathédrale de Chartres, par exemple, est son entrée principale. Il y a la pierre et de la sculpture, beaucoup de sculptures. Et c'est très rare dans l'architecture contemporaine. Ici, la sculpture fait partie du monument. Et donc, grâce au verre, on a pu construire plus haut, rendre le bâtiment plus aérien, plus sculptural, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela a permis de créer des séquences spatiales dédiées aux circulations. La verrière crée un espace hybride, un dedans, dehors. On est dans la continuité des salles et des paliers intérieurs, dans le bâtiment, protégé des intempéries. On est dehors, à l'air libre et dans le vent. L'architecture devenue sculpture crée en permanence son propre spectacle. L'effet est multiplié par le jeu des ombres de la charpente sur les volumes blancs. Au programme de la Fondation, Frank Gehry a ajouté les plaisirs de la promenade. Le bâtiment organise sa propre visite, une visite pour jouir du paysage et surtout de l'architecture. Étonnant bâtiment où l'ajustement précis de pièces uniques de verre et de ductal rapproche le processus industriel du geste de l'artisan. Un voisinage avec l'industrie du luxe, dont le bâtiment de la Fondation est le dernier fleuron.
la lumière du jour pénètre dans les salles du premier étage. Jamais de façon directe, mais par des puits de lumière où vient se réfléchir le soleil. Des volumes de plâtre, galbés, inclinés, sculptés, des carrés de 3 à 7 mètres de côté qui s'élèvent à la verticale au-dessus des salles. Le plus haut dépasse de 11 mètres une salle dont les murs ont déjà 9 mètres de haut. Au niveau des terrasses, les 5 puits de lumière créent un paysage étonnant de volumes blancs dressés vers le ciel, ni des tours, ni des cheminées. Comme un vêtement trop grand, la coque de l'iceberg entoure le volume de plâtre du puits de lumière, mais crée un entre-deux, une zone tampon dédiée aux équipements techniques, interdite aux visiteurs, les coulisses du bâtiment. Quand on fait le tour du bâtiment, on ne peut que deviner l'iceberg. Le verre laiteux atténue la perception des charpentes et du bâti. Une dernière peau de verre joue l'effet d'un filtre. Le verre des grandes voiles est translucide, sérigraphié de pastilles blanches qui réfléchissent 50% de l'énergie lumineuse. Une belle économie d'énergie pour la protection du bâtiment. Habillé de ses verrières, le bâtiment de la fondation absorbe par ses reflets le paysage. Le volume monumental devenu vaporeux s'insère en douceur dans la nature qui l'entoure. Les verrières aux surfaces incurvées dialoguent avec les volumes de l'iceberg. Ils se recouvrent, s'écartent et se chevauchent. Un même vocabulaire de formes organiques et sculpturales. Chaque verrière est unique. Parfois des surfaces incurvées, parfois des volumes. Il y en a 12. La même surface de verre que la verrière du Grand Palais, 13 600 mètres carrés, mais fragmentée en 12 voiles gonflées d'un vent imaginaire. Un vaisseau de verre. Les concepteurs ont calculé tous les efforts possibles auxquels sont soumises les grandes verrières, la pression du vent le plus puissant, le poids de la pluie et de la neige, les effets d'un incendie toujours possible et l'action de gaz chaud, sans oublier la dilatation sous l'effet de la chaleur du soleil. Quand les bourrasques approchent 150 km/h, la prise au vent est bien réelle, la verrière doit bouger. Les ingénieurs ont conçu ces étranges fixations qui autorisent chaque panneau de verre à changer de position. Des billes d'acier prises dans une rainure ou des axes libres pris dans une encoche de métal. Au plus fort de la tempête, une des voiles peut bouger de 15 cm. Les grandes verrières sont solidement accrochées à la coque. À l'ouest de Paris, à la lisière de la ville,
le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, construit par Franck Gehry entre 2006 et 2014. À l'orée du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation, créé en 1860. Un jardin à l'anglaise, avec une serre pour les plantes, un zoo, des manèges et des attractions. C'est sur ce site, une concession de la ville de Paris dont le groupe LVMH est titulaire, que la Fondation Louis Vuitton décide de construire en 2006 un nouveau bâtiment. Il sera l'emblème de sa politique de mécénat et de soutien à la création artistique. Ce sera un nouveau lieu pour Paris, dédié à la création contemporaine. Pour relever tous ces défis, Bernard Arnault choisit Franck Gehry. L'architecte a obtenu le Pritzker Prize en 1989. Il est célèbre pour le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Franck Gehry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris. Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement. Les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde, et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Pour concevoir ces bâtiments, Franck Gehry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire. Ces différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie. Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Gehry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique, une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire. Ce
Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a des formes sculpturales, des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg, la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur. Pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses. Une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillé, ce qu'on appelle un radis. Il compense les remontées d'eau de la nappe phréatique, il stabilise les porte-à-faux et les charges hétérogènes du bâtiment lui-même. Il anticipe les déséquilibres créés par la tension des verrières soumises au vent. Le bâtiment est asymétrique. Du côté de la cascade, une tour avec un étage et des planchers en déport. Au centre, un grand cube de béton qui repose en équilibre au-dessus du futur hall d'accueil. De l'autre côté, des volumes en longueur superposés sur trois niveaux. Pas d'alignement régulier de piliers de béton. Chaque partie du bâtiment semble jouir d'une structure porteuse singulière. De grands poteaux d'acier inclinés selon des angles et des longueurs différents font penser à des béquilles provisoires. Entre la structure de béton et les volumes blancs de l'iceberg, les architectes ont imaginé une structure autonome, une charpente métallique qui soutient 360 plaques dont les inclinaisons et les courbures reproduisent les volumes dessinés par Frank Gehry. Les plaques d'acier sont juxtaposées, boulonnées les unes aux autres, comme une coque de navire. Reste à poser le revêtement définitif, la peau de l'iceberg. Le client voulait un revêtement lisse, taillé comme un vêtement, de l'aluminium émaillé. L'architecte rêvait de Ronchamp, l'église construite par Le Corbusier. Il voulait un vrai matériau de construction, de préférence du béton projeté. Après un long débat, ils choisissent une autre solution. Décomposer les grandes surfaces de l'iceberg en milliers de panneaux de taille réduite. Une manière de s'adapter à ces volumes aux formes organiques et de limiter l'effet de grandes surfaces aveugles. Les panneaux seront en béton fibré de grande taille, des parallélépipèdes et cinq petites au dessin plus surprenant. Des volumes de grande hauteur, entre 5 et 10 mètres de haut. Des murs qui ne raccordent ni avec le sol, ni avec le plafond, et qui semblent flotter. La promenade intérieure enchaîne paliers et escaliers, et se continue à l'extérieur sur des terrasses offertes au paysage et protégées par des verrières. Pour concevoir ces bâtiments, Frank Gehry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire, ses différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair, jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie. Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Gehry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique,
une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire. Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a les formes sculpturales des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg, la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur. Pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses. Une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillé, ce qu'on appelle un radier. Il compense les remontées d'eau de la nappe phréatique, il stabilise les porte-à-faux et les charges hétérogènes du bâtiment lui-même. Il anticipe les déséquilibres créés par la tension des verrières soumises au vent. Le bâtiment est asymétrique. Du côté de la cascade, une tour avec un étage et des planchers en déport. Au centre, un grand cube de béton qui repose en équilibre au-dessus du futur hall d'accueil. De l'autre côté, des volumes en longueur superposés sur trois niveaux. Pas d'alignement régulier de piliers de béton. Chaque partie du bâtiment semble jouir d'une structure porteuse singulière. De grands poteaux d'acier inclinés selon des angles et des longueurs différents font penser à des béquilles provisoires. Entre la structure de béton et les volumes blancs de l'iceberg, les architectes ont imaginé une structure autonome, une charpente métallique qui soutient 360 plaques dont les inclinaisons et les courbures reproduisent les volumes dessinés par Frank Gehry. Les plaques d'acier sont juxtaposées, boulonnées les unes aux autres, comme une coque de navire. Reste à poser le revêtement définitif, la peau de l'iceberg. Le client voulait un revêtement lisse, taillé comme un vêtement, de l'aluminium émaillé. L'architecte rêvait de Ronchamp, l'église construite par Le Corbusier. Il voulait un vrai matériau de construction, de préférence du béton projeté. Après un long débat, ils choisissent une autre solution. Décomposer les grandes surfaces de l'iceberg en milliers de panneaux de taille réduite. Une manière de s'adapter à ces volumes aux formes organiques et de limiter l'effet de grandes surfaces aveugles. Les panneaux seront en béton fibreux, blanc, brillant, le ductal. Ils seront moulés un par un en usine. Ils sont tous différents par leur courbure, leur longueur, leur découpe. Pour les poser, on recouvre la coque d'acier d'une deuxième peau, une coque d'aluminium, qui épouse ses formes et aligne des rangées de fixation. Le ductal est accroché panneau par panneau, 19 000 en tout, un puzzle géant en 3D. Deux hommes doivent pouvoir accrocher ou décrocher chaque panneau. D'un bout à l'autre du bâtiment, les mêmes règles. Deux panneaux placés l'un au-dessus de l'autre sont séparés de 10 mm. Deux panneaux voisins sont séparés de 7 mm. Les lignes créées par l'ombre font lire les courbures et les formes. Pour amplifier le mouvement de ces alignements de panneaux blancs, Frank Gehry décale les lignes à chaque niveau, créant ce qu'il appelle un motif en tremblement de terre. Dans les anfractuosités des volumes blancs de l'iceberg, des volumes de charpente métallique et de verre transparent.
Pas de courbes, mais des obliques et des angles aigus. Une deuxième grammaire formelle pour faire entrer la lumière du jour dans un bâtiment sans fenêtre. Le grand paysage du bâtiment alterne les formes sculpturales blanches et les volumes en angles aigus de verre. Conséquence directe, à l'intérieur, les paliers et les escaliers sont baignés de lumière. Au cours de sa déambulation, le visiteur alterne lumière et pénombre, les jeux de soleil et la visite de chaque galerie. À Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Frank Gehry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris. Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement. Les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Pour concevoir ces bâtiments, Frank Gehry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire. Ces différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque les... La lumière du jour pénètre dans les salles du premier étage. Jamais de façon directe, mais par des puits de lumière où vient se réfléchir le soleil. Des volumes de plâtre, galbés, inclinés, sculptés, des carrés de 3 à 7 mètres de côté qui s'élèvent à la verticale au-dessus des salles. Le plus haut dépasse de 11 mètres une salle dont les murs ont déjà 9 mètres de haut. Au niveau des terrasses, les 5 puits de lumière créent un paysage étonnant de volumes blancs dressés vers le ciel, ni des tours, ni des cheminées.
Comme un vêtement trop grand, la coque de l'iceberg entoure le volume de plâtre du puits de lumière, mais crée un entre-deux, une zone tampon dédiée aux équipements techniques, interdite aux visiteurs, les coulisses du bâtiment. Quand on fait le tour du bâtiment, on ne peut que deviner l'iceberg. Le verre laiteux atténue la perception des charpentes et du bâti. Une dernière peau de verre joue l'effet d'un filtre. Le verre des grandes voiles est translucide, sérigraphié de pastilles blanches qui réfléchissent 50% de l'énergie lumineuse. Une belle économie d'énergie pour la protection du bâtiment. Habillé de ses verrières, le bâtiment de la fondation absorbe par ses reflets le paysage. Le volume monumental devenu vaporeux s'insère en douceur dans la nature qui l'entoure. Les verrières aux surfaces incurvées dialoguent avec les volumes de l'iceberg. Ils se recouvrent, s'écartent et se chevauchent. Un même vocabulaire de formes organiques et sculpturales. Chaque verrière est unique, parfois des surfaces incurvées. Si vous regardez un monument historique, la cathédrale de Chartres, par exemple, est son entrée principale. Il y a la pierre et de la sculpture, beaucoup de sculptures. Et c'est très rare dans l'architecture contemporaine. Ici, la sculpture fait partie du monument. Et donc, grâce au verre, on a pu construire plus haut, rendre le bâtiment plus aérien, plus sculptural, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela a permis de créer des séquences spatiales dédiées aux circulations. La verrière crée un espace hybride, un dedans, dehors. On est dans la continuité des salles et des paliers intérieurs, dans le bâtiment, protégé des intempéries. On est dehors, à l'air libre et dans le vent. L'architecture devenue sculpture crée en permanence son propre spectacle. L'effet est multiplié par le jeu des ombres de la charpente sur les volumes blancs. Au programme de la Fondation, Franck Guéry a ajouté les plaisirs de la promenade. Le bâtiment organise sa propre visite, une visite pour jouir du paysage et surtout de l'architecture. Étonnant bâtiment où l'ajustement précis de pièces uniques de verre et de ductal rapproche le processus industriel du geste de l'artisan. Un voisinage avec l'industrie du luxe, dont le bâtiment de la Fondation est le dernier fleuron. Le hall,
l'auditorium qui occupe deux niveaux, au-dessus une salle, les autres, grandes et petites, occupent trois niveaux de l'autre côté du hall d'accueil. Les salles du niveau supérieur sont coiffées de puits de lumière qui augmentent leur hauteur. 11 galeries, 6 de grande taille, des parallélépipèdes et 5 petites au dessin plus surprenant. Des volumes de grande hauteur, entre 5 et 10 mètres de haut. Des murs qui ne raccordent ni avec le sol ni avec le plafond et qui semblent flotter. La promenade intérieure enchaîne paliers et escaliers et se continue à l'extérieur sur des terrasses offertes au paysage et protégées par des verrières. Hébreu, blanc, brillant, le ductal. Ils seront moulés un par un en usine. Ils sont tous différents par leur courbure, leur longueur, leur découpe. Pour les poser, on recouvre la coque d'acier d'une deuxième peau, une coque d'aluminium, qui épouse ses formes et aligne des rangées de fixation. Le ductal est accroché panneau par panneau, 19 000 en tout, un puzzle géant en 3D. Deux hommes doivent pouvoir accrocher ou décrocher chaque panneau. D'un bout à l'autre du bâtiment, les mêmes règles. Deux panneaux placés l'un au-dessus de l'autre sont séparés de 10 mm. Deux panneaux voisins sont séparés de 7 mm. Les lignes créées par l'ombre font lire les courbures et les formes. Pour amplifier le mouvement de ces alignements de panneaux blancs, Frank Gehry décale les lignes à chaque niveau, créant ce qu'il appelle un motif en tremblement de terre. Dans les anfractuosités des volumes blancs de l'iceberg, des volumes de charpente métallique et de verre transparent. Pas de courbes, mais des obliques et des angles aigus. Une deuxième grammaire formelle pour faire entrer la lumière du jour dans un bâtiment. La promenade intérieure enchaîne paliers et escaliers et se continue à l'extérieur sur des terrasses offertes au paysage et protégées par des verrières. Hébreu, blanc, brillant, le ductal. Ils seront moulés un par un en usine. Ils sont tous différents par leur courbure, leur longueur, leur découpe. Pour les poser, on recouvre la coque d'acier d'une deuxième peau, une coque d'aluminium, qui épouse ses formes et aligne des rangées de fixation. Le ductal est accroché panneau par panneau, 19 000 en tout, un puzzle géant en 3D. Deux hommes doivent pouvoir accrocher ou décrocher chaque panneau. D'un bout à l'autre du bâtiment, les mêmes règles. Deux panneaux placés l'un au-dessus de l'autre sont séparés de 10 mm. Deux panneaux voisins sont séparés de 7 mm. Les lignes créées par l'ombre font lire les courbures et les formes. Pour amplifier le mouvement de ces alignements de panneaux blancs, Frank Gehry décale les lignes à chaque niveau, créant ce qu'il appelle un motif en tremblement de terre.
Dans les anfractuosités des volumes blancs de l'iceberg, des volumes de charpente métallique et de verre transparent. Pas de courbes, mais des obliques et des angles aigus. Une deuxième grammaire formelle pour faire entrer la lumière du jour dans un bâtiment sans fenêtre. Le grand paysage du bâtiment alterne les formes sculpturales blanches et les volumes en angles aigus de verre. Conséquence directe, à l'intérieur, les paliers et les escaliers sont baignés de lumière. Au cours de sa déambulation, le visiteur alterne lumière et pénombre, les jeux de soleil et la visite de chaque galerie. En Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Le bâtiment n'est pas figé comme le Grand Palais. C'est une nouvelle manière d'exprimer le verre, l'ouverture, la sensation du mouvement et de pousser les visiteurs vers de nouvelles expériences. Construire dans le bois de Boulogne est interdit. Une seule solution, faire disparaître le bowling du jardin d'acclimatation et le remplacer par un nouveau bâtiment. L'édifice devra s'inscrire dans la même parcelle de 1 hectare et respecter les gabarits des bâtiments détruits. Même surface d'emprise au sol et pas plus de 1 étage. Une seule liberté, c'est une construction nouvelle, sa hauteur n'est pas limitée. Désireux d'élever le bâtiment le plus haut possible et de respecter les règlements, Franck Guéry va jouer sur la hauteur des volumes intérieurs. Le rez-de-chaussée fait 9 mètres de haut. Une zone technique le sépare d'un premier étage de 6 mètres de haut, surmonté des volumes des puits de lumière, 9 mètres de plus. Il entoure de tous les côtés l'édifice avec de grandes verrières qui doublent son volume apparent et culminent à 46 mètres. Pour gagner plus de mètres carrés d'exposition, l'architecte dépose le bâtiment de la fondation 7 mètres en dessous du niveau du sol, au fond d'une cuve. Mais il n'est pas enterré. On peut en faire le tour à la lumière du jour. Il est entouré d'eau, des bassins d'un côté, une cascade en pente douce de l'autre. L'apparence extérieure surprend. Mais dès qu'on entre, tout est simple. On est dans un vaste hall d'accueil qui d'un côté mène vers les galeries et de l'autre à l'auditorium. La grande salle est face à la cascade. De grands rideaux permettent de l'occulter. Des volumes de grande hauteur, entre 5 et 10 mètres de haut. Des murs qui ne raccordent ni avec le sol ni avec le plafond, et qui semble flotter. La promenade intérieure enchaîne paliers et escaliers et se continue à l'extérieur sur des terrasses offertes au paysage et protégées par des verrières. Pour concevoir ces bâtiments, Franck Guéry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire.
ses différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie. Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Guéry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique, une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire. Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a les formes sculpturales des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg, la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur, pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses. Une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillée, ce qu'on appelle dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Le bâtiment n'est pas figé comme le Grand Palais. C'est une nouvelle manière d'exprimer le verre, l'ouverture, la sensation du mouvement et de pousser les visiteurs vers de nouvelles expériences. Construire dans le bois de Boulogne est interdit. Une seule solution, faire disparaître le bowling du jardin d'acclimatation et le remplacer par un nouveau bâtiment. L'édifice devra s'inscrire dans la même parcelle de 1 hectare et respecter les gabarits des bâtiments détruits. Même surface d'emprise au sol et pas plus de 1 étage. Une seule liberté, c'est une construction nouvelle, sa hauteur n'est pas limitée. Désireux d'élever le bâtiment le plus haut possible et de respecter les règlements, Franck Guéry va jouer sur la hauteur des volumes intérieurs. Le rez-de-chaussée fait 9 mètres de haut. Une zone technique le sépare d'un premier étage de 6 mètres de haut, surmonté des volumes des puits de lumière, 9 mètres de plus. Il entoure de tous les côtés l'édifice avec de grandes verrières qui doublent son volume apparent et culminent à 46 mètres. Pour gagner plus de mètres carrés d'exposition, l'architecte dépose le bâtiment de la fondation 7 mètres en dessous du niveau du sol, au fond d'une cuve. Mais il n'est pas enterré. On peut en faire le tour à la lumière du jour. Il est entouré d'eau, des bassins d'un côté, une cascade en pente douce de l'autre. L'apparence extérieure surprend. Mais dès qu'on entre, tout est simple. On est dans un vaste hall d'accueil qui d'un côté mène vers les galeries et de l'autre à l'auditorium. La grande salle est face à la cascade. De grands rideaux permettent de l'occulter. Elle est modulable avec ses fauteuils qui se déploient en hauteur ou se cachent dans...
Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement. Les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Le bâtiment n'est pas figé comme le Grand Palais. C'est une nouvelle manière d'exprimer le verre, l'ouverture, la sensation du mouvement et de pousser les visiteurs vers de nouvelles expériences. Construire dans le bois de Boulogne est interdit. Une seule solution, faire disparaître le bowling du jardin d'acclimatation et le remplacer par un nouveau bâtiment. L'édifice devra s'inscrire dans la même parcelle de 1 hectare et respecter les gabarits des bâtiments détruits. Même surface d'emprise au sol et pas plus de 1 étage. Une seule liberté, c'est une construction nouvelle, sa hauteur n'est pas limitée. Désireux d'élever le bâtiment le plus haut possible et de respecter les règlements, Franck Guéry va jouer sur la hauteur des volumes intérieurs. Le rez-de-chaussée fait 9 mètres de haut. Une zone technique le sépare d'un premier étage de 6 mètres de haut, surmonté des volumes des puits de lumière, 9 mètres de plus. Il entoure de tous les côtés l'édifice avec de grandes verrières qui doublent son volume apparent et culminent à 46 mètres. Pour gagner plus de mètres carrés d'exposition, l'architecte dépose le bâtiment de la fondation 7 mètres en dessous du niveau du sol, au fond d'une cuve. On absorbe par ses reflets le paysage. Le volume monumental devenu vaporeux s'insère en douceur dans la nature qui l'entoure. Les verrières aux surfaces incurvées dialoguent avec les volumes de l'iceberg. Ils se recouvrent, s'écartent et se chevauchent. Un même vocabulaire de formes organiques et sculpturales. Chaque verrière est unique. Parfois des surfaces incurvées, parfois des volumes, il y en a 12. La même surface de verre que la verrière du Grand Palais, 13 600 mètres carrés, mais fragmenté en 12 voiles gonflées d'un vent imaginaire. Un vaisseau de verre. Les concepteurs ont calculé tous les efforts possibles auxquels sont soumises les grandes verrières, la pression du vent le plus puissant, le poids de la pluie et de la neige, les effets d'un incendie toujours possible et l'action de gaz chaud, sans oublier la dilatation sous l'effet de la chaleur du soleil. Quand les bourrasques approchent 150 km/h, la prise au vent est bien réelle, la verrière doit bouger. Les ingénieurs ont conçu ces étranges fixations qui autorisent chaque panneau de verre à changer de position. Des billes d'acier prises dans une rainure ou des axes libres pris dans une encoche de métal. Au plus fort de la tempête,
une des voiles peut bouger de 15 cm. Les grandes verrières sont solidement accrochées à la coque d'acier recouverte de ductal par de larges platines généreusement boulonnées. Les poutres principales soutiennent les poutres de métal plus fines. Celles-ci supportent les grandes courbes de bois qui dessinent la forme de chaque voile. Pour réaliser ces grandes surfaces courbes de verre, les entreprises ont là encore adopté la technique du puzzle et décomposé les surfaces vitrées en 3600 panneaux tous différents. Les capots d'aluminium soulignent le mouvement des grandes voiles. Les poutres PMH et titulaires que la Fondation Louis Vuitton décide de construire en 2006 un nouveau bâtiment. Il sera l'emblème de sa politique de mécénat et de soutien à la création artistique. Ce sera un nouveau lieu pour Paris dédié à la création contemporaine. Pour relever tous ces défis, Bernard Arnault choisit Franck Gehry. L'architecte a obtenu le Pritzker Prize en 1989. Il est célèbre pour le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Franck Gehry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris. Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement. Les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Pour concevoir ces bâtiments, Franck Gehry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire, ces différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair, jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie.
Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Guéry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique, une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire. Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a les formes sculpturales des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg, la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur. Pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses. Une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillée, ce qu'on appelle un radier. Il compense les remontées d'eau de la nappe phréatique, il stabilise les porte-à-faux et les charges hétérogènes du bâtiment lui-même. Il anticipe les déséquilibres créés par la tension des verrières soumises au vent. Le bâtiment est asymétrique. Du côté de la cascade, une tour avec un étage et des planchers en déport. Au centre, un grand cube de béton qui repose en équilibre au-dessus du futur hall d'accueil. L'architecture moderne aime les espaces ouverts. Trop ouverts pour les conservateurs de musées. Ils veulent tout fermer et contrôler la lumière. Dans un sens, c'est raisonnable. Mais ce qui manque dans ce raisonnement, c'est l'expérience du visiteur, de celui qui regarde. Bien sûr, les œuvres d'art doivent être là, bien visibles et éclairées, mais est-ce suffisant? Il y a quelqu'un là qui regarde, et ses sensations sont importantes. Donc mon idée, c'était de laisser entrer la lumière en douceur, pas de soleil en direct. C'était qu'il y ait un peu de lumière pour qu'on se sente mieux. Je voulais que, face aux œuvres, ce qu'éprouvent les visiteurs soit plus agréable. Je voulais qu'ils aient envie de rester, qu'ils aient du plaisir à rester assis en regardant une ou deux peintures. C'est agréable, enrichissant, et on voit mieux les peintures. À l'ouest de Paris, à la lisière de la ville, le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, construit par Franck Guéry entre 2006 et 2014. À l'orée du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation, créé en 1860. Un jardin à l'anglaise, avec une serre pour les plantes, un zoo, des manèges et des attractions. C'est sur ce site,
une concession de la ville de Paris dont le groupe LVMH est titulaire, que la fondement. J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde et même dans les marbres de Phidias en Grèce. L'idée du mouvement dans la sculpture, dans du matériau inerte. Ce bâtiment, on dirait qu'il va décoller. Il va voler, mais en même temps, il prend sa place dans le jardin. Il appartient à ce lieu, il a un jardin. Pour concevoir ces bâtiments, Frank Gehry a une double approche. D'un côté, des maquettes en bois, en plastique, en papier, pour travailler les volumes définis par le commanditaire, ces différentes salles et leur agencement, ce qu'on appelle le programme. De l'autre, le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie. Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Gehry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique, une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire. Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a les formes sculpturales des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg, la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur, pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses. Une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillée, ce qu'on appelle air soumise au vent. Le bâtiment est asymétrique. Du côté de la cascade, une tour avec un étage et des planchers en déport. Au centre, un grand cube de béton qui repose en équilibre au-dessus du futur hall d'accueil. De l'autre côté, des volumes en longueur superposés sur trois niveaux. Pas d'alignement régulier de piliers de béton. Chaque partie du bâtiment semble jouir d'une structure porteuse singulière. De grands poteaux d'acier inclinés selon des angles et des longueurs différents font penser à des béquilles provisoires. Entre la structure de béton et les volumes blancs de l'iceberg, les architectes ont imaginé une structure autonome, une charpente métallique qui soutient 360 plaques dont les inclinaisons et les courbures reproduisent les volumes dessinés par Frank Gehry. Les plaques d'acier sont juxtaposées, boulonnées les unes aux autres, comme une coque de navire. Reste à poser le revêtement définitif, la peau de l'iceberg. Le client voulait un revêtement lisse, taillé comme un vêtement, de l'aluminium émaillé. L'architecte rêvait de Ronchamp, l'église construite par Le Corbusier. Il voulait un vrai matériau de construction, de préférence du béton projeté. Après un long débat, ils choisissent une autre solution. Décomposer les grandes surfaces de l'iceberg en milliers de panneaux de taille réduite. Une manière de s'adapter à ces volumes aux formes organiques et de limiter l'effet de grandes surfaces aveugles. Les panneaux seront en béton fibreux, blanc, brillant, le ductal.
Ils seront moulés un par un en usine. Ils sont tous différents par leur courbure, leur longueur, leur découpe. Pour les poser, on recouvre la coque d'acier d'une deuxième peau, une coque d'aluminium, qui épouse ses formes et aligne des rangées de fixation. Le ductal est accroché panneau par panneau, 19 000 en tout, un puzzle géant en 3D. Deux hommes doivent pouvoir accrocher ou décrocher chaque panneau. D'un bout à l'autre du bâtiment, les mêmes règles. Deux panneaux placés l'un au-dessus de l'autre sont séparés de 10 mm. Deux panneaux voisins sont séparés de 7 mm. Les lignes créées par l'ombre font lire les courbures et les formes. Pour amplifier le mouvement de ces alignements de panneaux blancs, à l'orée du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation, créé en 1860. Un jardin à l'anglaise, avec une serre pour les plantes, un zoo, des manèges et des attractions. C'est sur ce site, une concession de la ville de Paris dont le groupe LVMH est titulaire, que la fondation Louis Vuitton décide de construire en 2006 un nouveau bâtiment. Il sera l'emblème de sa politique de mécénat et de soutien à la création artistique. Ce sera un nouveau lieu pour Paris, dédié à la création contemporaine. Pour relever tous ces défis, Bernard Arnault choisit Franck Gehry. L'architecte a obtenu le Pritzker Prize en 1989. Il est célèbre pour le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Franck Gehry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris. Si on regarde les années 60, tout bouge. Partout autour de vous, tout est mouvement. Les voitures, les avions, les bateaux. J'ai commencé à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Comment exprimer le mouvement? J'ai fait des maquettes avec des empilements de morceaux de bois emportés par un courant d'air et figés dans le vent. C'est comme un mouvement instantané. On voit cela dans les figures dansantes en Inde. Et même le dessin au crayon qui évoque l'esquisse d'un mouvement, la forme du bâtiment. Les deux approches vont de pair jusqu'à une modélisation unique plus fine. Une forme en volume est sculptée, une série de repères numérotés est définie. Les données de chacun de ces points sont saisies dans les trois dimensions. Le logiciel CATIA, inventé par Dassault Systèmes, puis développé pour l'architecture par Gehry Technologies, permet de créer un premier modèle numérique, une étape indispensable qui permet aux architectes de dessiner, aux industriels de fabriquer et aux entreprises du bâtiment de construire. Sous les courbes délicates des grandes verrières, il y a les formes sculpturales des volumes blancs, ce que les architectes et ingénieurs appellent l'iceberg.
la clôture du bâtiment, ce qui le protège des intempéries. Drôle de mur. Pas de ligne verticale, pas de continuité de façade, pas de répétition. Une juxtaposition de 19 volumes blancs. Chacun est une composition abstraite de plusieurs facettes, des surfaces courbes ou biseautées, anguleuses. Une grande sculpture qui doit tenir debout. Sous la sculpture, une structure béton et de solides fondations doivent permettre à tous les efforts de redescendre au sol. En guise de fondation, pas de pieux enfoncés dans le sol, mais une couche de 2,50 m de béton lourdement ferraillé, ce qu'on appelle un radier. Il compense les remontées d'eau de la nappe phréatique, il stabilise les porte-à-faux et les charges hétérogènes du bâtiment lui-même. Il anticipe les déséquilibres créés par la tension des verrières soumises au vent. Le bâtiment est asymétrique. Du côté de la cascade, une tour avec un étage et des planchers en déport. Au centre, un grand cube de béton qui repose en équilibre au-dessus du futur hall d'accueil. De l'autre côté, des volumes en longueur superposés sur trois niveaux. Pas d'alignement régulier de piliers de béton. Chaque partie du bâtiment semble jouir d'une structure porteuse singulière. De grands poteaux d'acier inclinés selon des angles et des longueurs différents font penser à des béquilles provisoires. Entre la structure de béton et les volumes blancs de l'iceberg, les architectes ont imaginé une structure autonome, une charpente métallique qui soutient 360 plaques dont les inclinaisons et les courbures reproduisent les volumes dessinés par Frank Gehry. Les plaques d'acier sont juxtaposées. À l'ouest de Paris, à la lisière de la ville, le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, construit par Frank Gehry entre 2006 et 2014. À l'orée du bois de Boulogne, le jardin d'acclimatation, créé en 1860. Un jardin à l'anglaise, avec une serre pour les plantes, un zoo, des manèges et des attractions. C'est sur ce site, une concession de la ville de Paris dont le groupe LVMH est titulaire, que la Fondation Louis Vuitton décide de construire en 2006 un nouveau bâtiment. Il sera l'emblème de sa politique de mécénat et de soutien à la création artistique. Ce sera un nouveau lieu pour Paris, dédié à la création contemporaine. Pour relever tous ces défis, Bernard Arnault choisit Frank Gehry. L'architecte a obtenu le Pritzker Prize en 1989. Il est célèbre pour le musée de la Fondation Guggenheim à Bilbao ou l'auditorium Walt Disney à Los Angeles. Afin de construire un bâtiment digne des ambitions de son prestigieux client, Frank Gehry propose un monument de verre qui donnera l'illusion du mouvement. De grandes verrières translucides et des volumes blancs aux formes organiques se succèdent d'un bout à l'autre du bâtiment, interrompus par des failles ou des superpositions. Chaque voile est singulière, chaque volume blanc est unique. Difficile de parler de toiture ou de façade. Les grandes verrières évoquent de grandes voiles. Gonflées par le vent, elles semblent indiquer un mouvement. Le bâtiment n'est pas seulement orienté d'est en ouest, il a une direction. Poussé par les vents d'ouest, un grand navire de verre semble voguer vers Paris.
Des volumes de grande hauteur, entre 5 et 10 mètres de haut. Des murs qui ne raccordent ni avec le sol, ni avec le plafond, et qui semblent flotter. La promenade intérieure enchaîne paliers et escaliers et se continue à l'extérieur sur des terrasses offertes au paysage et protégées par des verrières. Fibreux, blanc, brillant, le ductal. Ils seront moulés un par un en usine. Ils sont tous différents par leur courbure, leur longueur, leur découpe. Pour les poser, on recouvre la coque d'acier d'une deuxième peau, une coque d'aluminium, qui épouse ses formes et aligne des rangées de fixation. Le ductal est accroché panneau par panneau, 19 000 en tout, un puzzle géant en 3D. Deux hommes doivent pouvoir accrocher ou décrocher chaque panneau. D'un bout à l'autre du bâtiment, les mêmes règles. Deux panneaux placés l'un au-dessus de l'autre sont séparés de 10 mm. Deux panneaux voisins sont séparés de 7 mm. Les lignes créées par l'ombre font lire les courbures et les formes. Pour amplifier le mouvement de ces alignements de panneaux blancs, Frank Gehry décale les lignes à chaque niveau, créant ce qu'il appelle un motif en tremblement de terre. Dans les anfractuosités des volumes blancs de l'iceberg, des volumes de charpente métallique et de verre transparent. Pas de courbes, mais des obliques et des angles aigus. Une deuxième grammaire formelle pour faire entrer la lumière du jour dans un bâtiment sans fenêtre. Le grand paysage du bâtiment alterne les formes sculpturales blanches et les volumes en angle aigu de verre. Conséquence directe, à l'intérieur, les paliers et les escaliers sont baignés de lumière.